À Yopougon, le candidat Adama Bick Togo a bien occupé son dernier jour de campagne. À Diego Nefla, quelques heures avant le vote, des messages de paix ont été adressés. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Tout commence depuis chez lui. Adama Bick Togo et sa délégation sont en chemin. Ils sont prêts pour ce dernier jour de campagne. Première destination, Yopougon-Port-Boué 2. Le diamant noir est accueilli en héros par les populations. L'élection du samedi matin, le chef central a tout dit. À 6 heures, après la prière, on est tous devant le bureau de vote. Pour que à 9 heures, nous à 10 heures, on a fini. À midi même, on est en train d'envoyer les résultats partout. Après Port-Boué 2, direction Yopougon-Mamiadjoua. Là encore, les militants d'Adama Bick Togo répondent présents. Cap maintenant au terminus 47. Ici, c'est la joie totale des populations. Quelques prestations d'artistes avant la prise de parole du candidat RHDP. J'apprécie ce talent de solidarité, ce talent de fraternité qui montre clairement que Yopougon, c'est Yopougon. Destination finale, Yopougon-Figaïo. Adama Bick Togo est accueilli par un bain de foule. Candidat à Yopougon, le président de l'Assemblée nationale veut faire la renaissance de cette commune. Une vision qui justifie déjà l'engagement des populations. La clôture de ce meeting est une satisfaction, vu l'engouement, la présence de tous les militants de Yopougon. Cela ne fait que nous encourager et nous donner l'espoir pour la victoire du 2 septembre. Nous sommes sur la victoire, nous sommes rassurés. Et le pain sera le maître de Yopougon le 2 septembre. À 20h, on sera en joie. Notre candidat à le pan, Adama Bick Togo, est le meilleur candidat au niveau de Yopougon. Et nous sommes rassurés que le 2 septembre, en tout cas Yopougon sera de la joie avec la victoire de Adama Bick Togo. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, une marée humaine venue ici soutenir le candidat Adama Bick Togo. Et ses militants espèrent obtenir la victoire d'ici le 2 septembre 2023. La ville de Daloa brille aux couleurs de la campagne des élections du 2 septembre 2023. Pour les municipales, trois candidats sont en course pour gérer la cité des Antilopes. Le candidat Charles-Jérôme Gauze de l'alliance PDCI-PPACI procède par une campagne de proximité et en hommage à ses pères, Henri Conan Bédier et Stéphane Bracanon, décédés à la veille des élections. J'ai décidé de commencer par une campagne de proximité, d'où l'organisation de la caravane à travers toute la ville de Daloa. Mais nos chances sont réelles, elles sont intactes. Nous avons une liste composée du PPACI et du PDCI-RDA et je pense que nos militants sont déjà mobilisés pour que le combat ait lieu. Mais c'est un combat fraternel puisque nous sommes en famille. Le candidat indépendant Cheikh Touré revient sur les motivations de sa candidature. Il y a beaucoup d'impairs que nous devrions réparer. Et moi je pense qu'il faille éviter l'improvisation dans la gestion de la collectivité locale. Et ma candidature est suscitée par la réparation de ces impairs et par l'appel de mes parents de Daloa. Le maire sortant, Stéphane Belli, et candidat du RHDP quant à lui, s'appuie sur ses réalisations dans la commune durant le premier mandat pour demander aux populations de le reconduire afin de continuer le développement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un sens d'inachevé. Des gens ont coutume à le dire, il faut forcément deux mandats à un maire pour achever son projet de société. Nous avons donc entrepris de grands travaux tels que la construction du grand marché, l'hôtel de ville de Daloa, un centre artisanal, une gare routière. Nous avons encore beaucoup de projets en cours tels que l'abattoir municipal, tels que des logements sociaux, on va dire des centres de santé et tout ça. Ce qui motive à la vérité donc ma candidature, c'est le sens d'inachevé d'abord.
Et ensuite, je me sens capable d'apporter un plus donc, au quotidien de mes concitoyens. Après Dalloa, direction Bédiala, où nous avons pu rencontrer la candidate du PPR, Irielou Louise, qui sillonne les 10 villages de la commune pour présenter son projet de société et de développement. Il n'y a pas de développement. Ne serait-ce que de voir la ville. Les jeunes n'ont pas de travail. Les vieilles personnes sont dans la souffrance. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de route. Même pour aller dans les campements, ils n'ont pas de route. Ils n'ont pas d'eau. À Bédiala, ici, il y a un château, ce château-là, il est tout petit. Ils n'ont pas de trois roues pour aller chercher les manioc, pour aller chercher les vivriers, surtout. Rappelons que les élections locales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et à Diégonéfla, à l'occasion des élections municipales qui auront lieu le samedi 2 septembre 2023 sur le territoire ivoirien, les autorités religieuses ont lancé des messages de paix pour des élections apaisées. Tati Paul, catéchiste centrale à l'église Saint-Joseph de Diégonéfla, au nom du curé en déplacement, a rappelé la nécessité de la paix pour les croyants. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas venir à l'église. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller à la mosquée. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller dans les temples. Alors nous, nous appelons tous ceux qui sont là et puis de paix, d'ajouter un grain de sel pour que nous ayons la paix dans ce village, dans cette ville de Yonfla. Après un samedi là, c'est fini. Donc si vous allez vous séparer, les frères et les soeurs, vous allez vous séparer à cause de l'élection, ça va donner quoi? Hein? Ceux qui sont les candidats, après tous ceux-là vont partir s'asseoir sous même table pour manger. Et nous qui sommes la population, qui sont là, et vous vous entraînez à faire les querelles inutiles. Parce qu'on a dit, on a perdu encore tout le monde. Elle s'est calmée. Les candidats, messieurs Bagro Goli, Yacouba Sassylvain et Yacouba Kone, ont invité les uns et les autres à la paix durant et après les élections. Les élections locales en Côte d'Ivoire se tiennent le 2 septembre 2023. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info et sur cetteinfo.ci.